Salut tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne des Sims pour le deuxième épisode du Decadate Challenge. Je vous rappelle, en fait, on joue avec des personnages, donc un couple de Sims que vous voyez à l'écran. Donc nous avons Victorine et Maximilien, et ils sont en 1880. Donc, eh bien, l'épisode d'avant, on a fait tomber enceinte Victorine de son mari Maximilien, et on a appris qu'elle allait avoir des jumeaux. On s'était quitté là-dessus. Là, elle est au buisson pour faire pipi. Voilà, donc dans cet épisode, eh bien, elle va l'annoncer à son mari et bah, peut-être que les petits vont naître. Voilà, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec Victorine qui vient d'aller aux toilettes et elle est enceinte. Elle vient tout juste de commencer à être enceinte. Alors, comment tu te sens, ma belle? Voilà, va manger. Super. Belle initiative. Donc après, t'as du linge qui t'attend. Donc là, là, là. Je me rappelle plus. Alors lui, est-ce qu'il est sec? Propre et sec. Super. Alors tu vas le prendre. Lui, est-ce qu'il est sec? Propreté dégoûtant. D'accord. Eh ben écoute, tu vas relaver, je pense. Tu vas changer l'eau et ta première mission de la journée, même s'il est 4 h du matin, eh bien, ça sera de faire la lessive. Ok, elle pose vraiment ça là. Ça, tu vas prendre et emmener le linge, t'avais dit. Voilà, change l'eau. Nanana, faire la lessive. Laver dans une bassine. Hop! Alors, Maximilien, lui, il s'est levé, il a très 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 envie de faire pipi. Pourquoi tu fais ça? Non. Fertiliser, voilà. Ah, il pue aussi. Oh, c'est vrai qu'il pue. C'est vrai qu'ils ont pas de baignoire. Alors, vraiment aussi, notre objectif de cet épisode, c'est de préparer un petit endroit pour les enfants. Donc ça, c'est aussi notre objectif numéro 1, avant leur naissance. Bah du coup il faudra bah, faire de l'argent, hein. Va falloir travailler les petits hauts. Parce que ça se fait pas comme ça l'argent. Il mange le petit père, hein. Super. Tout le monde quand c'est la femme qui cuisine, hein, lui il trouve ça bon. Va te laver les mains. Te laver les mains. Toi t'en es où là? Ça frotte. Oh, mais ça met extrêmement de temps de faire la lessive dans les Sims, c'est affreux. Je crois qu'elle a commencé à 4 h du mat, il est déjà il est encore 6 h. Elle a pas fini, il fait froid. C'est super. Toi après tu vas tout vendre. Arroser. Est-ce qu'il y a des choses à récolter? Voilà, tout récolter. Tout récolter. Tout récolter. Je vois un truc qui brille là, c'est quoi là-bas? Tout récolter. On avait un truc là aussi. Trop d'action en attente. Bon, tant pis. Et bah voilà, ils bossent tous les deux. Enfin, ils bossent. Elle a fait à manger pour son mari. Et pour elle, hein. Parce qu'il faut qu'elle mange pour deux, c'est marqué là. Manger pour deux. Et il faut peut-être qu'elle lui annonce aussi. C'est ça qu'il fallait qu'on fasse aussi. Ah! Alors. Combien on peut le vendre? 30 simflouz, super. Et après tu vas aller pêcher. Alors combien ça nous a rapporté? 108. Wouh! 15. 96. Bon. Ça va, ça fait déjà un petit truc. Je m'étais dit que on pourrait faire bah là le petit coin bébé pour l'instant. Voilà. Donc il nous faudrait deux berceaux. Et. J'en avais téléchargé, donc c'est un contenu téléchargé. Afficher tout. Contenu personnalisé, voilà. Et ça coûte 701. Donc il nous faut 1400 en gros. Donc voilà. Donc là, il faut qu'on récolte en fait 1400 pour faire la petite chambre des bébés avant qu'ils n'arrivent. Sachant qu'ils vont bientôt arriver, je pense. Ouh! Ah non, c'est notre homme. Bon, tout va bien. Super. C'est pack de main. Alors 64. Ouh, on est à 654, on peut bientôt s'en acheter un.
Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de nous peindre, elle? Petite toile. Oh, c'est un petit chat. Trop mignon. Un petit couple de chats. Moi, trop mignon. Mais pas de la peinture partout, par contre. Bah, c'est quoi cette tête? Oula. Ah oui, elle a les nausées, c'est vrai. Oh, elle est mignonne. Non, mais toi, t'as pas récolté de poisson, là? Non. Ah, si. Cool. Puis quand je vais voir, il va avoir un poisson, lui. 12 kilos. Enfin, non, 12 simflouzes, bon. C'est pas très fructueux. Hein. Va faire manger, va manger. Niveau 4 de la peinture. Eh ben, c'est pas mal ce qu'elle nous a fait, là. Je sais pas si c'était d'époque, mais. Ça vaut combien? 150. Très bien. En fait, on peut vendre nos toilettes parce que, comme il y en a partout, ça va nous faire des sous pour le landau. Et au pire, on rachètera des toilettes quand on aura des sous. Voilà, des vraies toilettes, on se fera. Pourquoi ça pue ça? Oh, mais il y a un truc. Oh, mais ils avaient posé sur la lampe. Mince. Bien son petit chapeau là. Non, ça, c'est sa tenue de froid, je crois. Ouais, frais. Ça doit être ça, il me semble. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai déjà montré les tenues. On va aller voir ça, prévoir des tenues. Voilà, donc ça, c'est sa tenue 3, comme je vous l'avais dit. Donc ça, c'est sa tenue de jour. Donc voilà, elle est assez couverte, hein. Elle est très ancienne, à moitié fermière. Voilà, donc ça, c'est sa tenue de fête. Donc voilà. Ça, c'est sa tenue de sport, donc c'est une espèce de combinaison. Sa tenue pour dormir. Voilà, ça, c'est sa tenue de fête. C'est son petit maillot de bain. Ça, c'est en temps chaud. Donc, non, c'est pas la même. Et ça, c'est en temps froid. Pour Maximilien, eh bien, sa tenue de jour, c'est pareil que le temps froid et chaud. Sa tenue habillée, c'est celle-là. Tenue de sport, pour dormir, de fête, maillot de bain, et voilà. Par contre, je me rends compte de plus en plus que mon terrain sur lequel j'ai fait la maison est super petit. Et on peut déménager qu'en 1970, donc je sais pas si je vais déroger à cette règle, mais vraiment il est super petit. Et on a bientôt tous les sous pour nous acheter bah, les lits pour les bébés. Alors pêche 3, jardinage 1, bricolage 3, et elle, jardinage elle est que 1, fitness elle est que 1. Cuisine 2, peinture 4. Okay. Voilà. Il faudra vraiment qu'ils gagnent beaucoup, beaucoup de sous pour ça. Parce que là, c'est pas gagné. Hein. Si déjà les lits de bébé, ça vaut 700. Alors les lits pour bambins, j'ose même pas imaginer. 850. Ah ouais. Et lui, 300. Oh, ah ouais. Et si on met lui, ça passe ou pas? Écoutez, franchement, ça passe mieux pour l'époque. Écoutez, on va peut-être prendre ça. Voilà. Ça, on va vendre. Elle, on peut pas la mettre au milieu. Non. On va laisser là. Et bah voilà, pour l'instant, les bébés, il faut que ça, hein. Donc, c'est cool. Alors, combien qu'il vaut son miroir? 175. Non, ça va, on n'a pas perdu, on a même plutôt bien gagné. Cool. Oh, c'est Pâques. Trop bien. Trop trop cool. Alors, il faut chasser des œufs et faire la cuisine. Trop bien. Bah, ça va être un peu notre moment fun de la journée parce que pour l'instant, c'est pas très très fun. Et j'ai rajouté un truc, le lapin des fleurs. Voilà. Parce que j'ai jamais fait avec le lapin des fleurs. Mais comme ils ont un peu moins besoin de sous parce que bah on a acheté déjà les landos, on pourra se permettre ça. Sais pas quand est-ce qu'on pourra faire une baignoire avec ça. Mais j'aimerais bien qu'il puisse faire une baignoire et qu'il la fasse lui-même en bois pour qu'on puisse la mettre. Ça sera un peu l'évolution. Et pour l'instant, je vais les continuer à faire à la bassine. Et du coup, la chasse aux œufs, ça se fait dans les objets à l'extérieur. C'est super. Alors, on est où dans sa grossesse? Troisième trimestre dans 13 heures. Ok, ça marche. Bon bah super, alors elle en est où?
Elle fait rien. Bah tiens, tu vas faire la tradition, tu vas préparer des pâtisseries. Elle va faire des cressins. Voilà, puisque c'est une des traditions. Donc c'est cool. Lui, Maximilien, il s'occupe du jardin. Il va tout arroser. Elle a acquis la compétence pâtisserie. Très bien. Donc il va tout arroser. Et après, il pourrait aller s'amuser à chasser des œufs. Voilà, chasser des œufs, chasser des œufs. Puis il est en train de chercher les œufs. Comment il fait pour chercher les œufs? Je sais pas. Si. Comment il cherche des œufs, lui? Il cherche comme ça. Ok. Le petit lapin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au petit lapin? Première fois que je le vois. Raconter une histoire incroyable. Pendant ce temps-là, Victorine, elle est en train de laver le linge. Enfin, vient de devenir un bon ami de Maximilien. Oh, ils deviennent une bonne amie. Offrir un cadeau. Cadeau amical. Oh, allez, on va lui offrir un petit œuf. Et on va vendre l'autre. Voilà. Hop. On fait des sous. Ça, des sous. Tradition terminée pour elle aussi. Alors, où est-ce qu'elle pourra chercher des jeux? Là, là, là. Et là. Lui, par contre, il a pas fini de chasser des œufs. Il va refaire un truc amical. Amical. Plus de choix. Enlacé. Oh, elle a fini, elles sont jour férié, trop bien. Prendre une portion. Prendre une portion. Et son mari aussi. Va prendre une portion. Voilà. On va manger des petits gâteaux ensemble. Trop mignon. Il peut pas. Il peut pas faire de pâtisserie, lui. Il peut pas cuisiner, Maximilien. Donc voilà. Donc c'est terminé pour lui. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Buisson répugnant. Mauvaise plomberie. Dans 4 heures, troisième trimestre. On peut peut-être se faire des toilettes au fond du jardin. Je pense qu'on va faire ça. Et on va terminer vite fait leur journée. Et ça sera la fin de l'épisode, je pense. Voilà. Voilà la petite cabane pour les toilettes que j'ai fait. Voilà. Moi, je trouve ça assez mignon. Tiens, même si t'as pas envie d'aller aux toilettes, tu as testé tes nouvelles toilettes. Vomir. Va vomir. Voilà. Oh bah c'est classe. Bah bravo. Quelle belle fin d'épisode. Bah écoute, on va encore faire une petite toile. Petite toile classique. 75. Lui il pêche. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'après je vais aller les faire dormir. Et c'est sur bah, cette fin de journée qu'on va se laisser. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais attendez. Troisième trimestre dans 3 heures. Voilà. Donc dans la nuit, elle va, Victorine va avoir bah, son troisième trimestre. Donc elle va bientôt accoucher. Je pense que ça sera dans l'épisode prochain. C'est sur ce que je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez eh bien, de nouvelles vidéos sur ce Decadate Challenge. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être prévenu des prochains épisodes. Et surtout, dites-moi dans les commentaires cette fois-ci les prénoms que vous voulez pour les enfants de Victorine et de Maximilien. Voilà. Essayez de regarder les prénoms qui étaient à la mode en 1880. Parce que j'aimerais bien mettre ce genre de prénom. Mais voilà. Si ça peut être vous qui choisissiez, voilà, ça me ferait super, super, super plaisir. Et bien voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et une bonne journée. Bisous!